Bonjour, ici c'est Gabriel Oleko. J'espère que tu vas bien. Sans plus tarder, je t'invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 5, le verset 22. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Le contexte de notre passage du jour met en lumière une attitude inacceptable qui a poussé Jésus à poser à ses auditeurs une question de fond concernant la nature des pensées de leur cœur. En fait, un homme était transporté malade par ses quatre amis. Ces derniers l'ont déposé devant Jésus. Par cet acte, ils étaient convaincus que Jésus ferait quelque chose pour changer la destinée de leur ami. Mais avant de guérir le malade, Jésus lui accorde d'abord le pardon de ses péchés. Cette bénédiction accordée au malade suscite incompréhension et protestation auprès des religieux qui étaient présents au moment où Jésus prononçant ces paroles. Ce groupe des protestataires était composé des pharisiens et des docteurs de la loi. On parlerait aujourd'hui des experts de la chose religieuse. Jésus aurait dû éviter de prononcer certaines paroles de leur point de vue. Ils étaient prêts à l'écouter enseigner, mais ils n'étaient pas disposés à le reconnaître dans sa vraie nature. C'est justement à ce niveau que se trouve le drame de l'excès de connaissances. Leurs titres et leurs connaissances sont devenus de réels obstacles. Jésus déplore leurs pensées, d'où sa question: quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Mon ami, sache que les pensées ont un pouvoir immense. Si tu ne crois pas que Dieu est capable d'agir dans ta vie, tu laisses la place aux mauvaises pensées d'influencer ta destinée. Tes pensées sont une large porte d'entrée des bonnes ou des mauvaises choses. Ne les laisse pas détruire ce que Dieu a de meilleur pour ta destinée. Tu peux suivre le conseil de l'apôtre Paul qui se trouve dans 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Apprends à soumettre tes pensées à l'autorité de Christ. Éduque-les à croire et à attendre l'action de Dieu, même quand tout est sombre. Si tout va mal pour toi aujourd'hui, je t'invite à repousser les mauvaises pensées et à laisser la place à Dieu pour qu'il te surprenne. Je te souhaite une excellente journée sous le bienveillant regard du Seigneur Jésus-Christ.